Bon, ben bonjour à toutes et à tous. Ça y est, on y est, l'ouverture. On va pouvoir s'amuser pour cette nouvelle saison de pêche. J'ai pas pu pêcher samedi, donc on est dimanche, il fait un grand soleil. Alexis a déjà attaqué juste là. Et cette année, on va beaucoup pêcher au Toc Nymphe. Je vous ferai pas mal de vidéos au Toc Nymphe, je vous ferai quelques vidéos explicatives. Donc là, on va commencer au Toc Nymphe avec double nymphe. Il y a un beau soleil, donc on va essayer un petit peu à la perdigone, essayer de voir. Pour les cannes que j'utilise, là c'est les Caperlan. Alexis a la 3,90, moi j'ai la 4,20 m. Les Riverway, les T500, super canne, avec un petit Ninja 2000, un petit nylon. Et puis après, mon montage classique TOC, un petit peu amélioré. Voilà, allez, donc c'est parti, on va essayer pendant cette journée de prendre quelques poissons ici. Après on ira faire du petit ruisseau, ici à la nymphe au fil, pour essayer de s'amuser sur d'autres poissons. Allez, c'est parti. Oh putain, décroché! Décroché! Oui. Ouais. Sur la faisant taille du bas. Ouais, moi hier matin. Alors j'en ai fait deux juste. C'est dur, il n'y avait pas de soleil, elle n'était pas actif. Non, hier je travaillais. Je suis là aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, jeudi. J'ai le temps de me rattraper. Ouais, mais j'ai votre numéro, je vous appellerai si je vois des trucs ou pas. Ouais. Alexis ! Non, c'est petit. Voilà, une belle petite truite, Toc Nymphe, sur la perdigone, puis qui a ras de la gueule. Voilà, une micro perdigone, et un joli petit poisson qui fait 27. Hop, allez, repart. Sur la nymphe du haut, sur la perdi. Et je l'ai pris tout là-bas. Hein. Ouais.
Allez, on change de secteur, on va être sur une petite rivière, vous l'entendez derrière moi. On s'est éclaté ce matin en un. Vous avez vu quelques images de ces poissons qu'on a pris au Toc 9. Là, ça va être technique un petit peu différente. On va pêcher en nymphe au fil, donc avec canne à mouche. Et on va essayer de faire toute une partie. Voilà, on prend qu'une seule canne et on va essayer de faire quelques belles images avec des belles petites truites. Allez, c'est parti. Bon alors là, on va arriver sur une zone, vous voyez, on va avoir une veine ici, là il y a du soleil, donc les poissons sont vraiment en plein courant. Il y a des insectes sur l'eau, voilà. Il y a de l'activité, il y a de la vie, on est aux heures les plus chaudes de la journée, donc Alexis va chercher, il va pêcher les zones qui vont être juste là, là, en pleine veine, et surtout insister dans les zones un peu plus calmes derrière les cailloux. Quand on peut avoir une zone ici, là, hop, je vais vous montrer, ou un petit peu plus haut, là-haut, là. On va avoir des zones intéressantes à pêcher en un. Que tu vas nous mettre. On est fixé dans une taille. Attends, bouge pas. Encore. Voilà. Bon, on va vous expliquer un petit peu le montage qu'on utilise. Donc on prend une canne à mouche, vous pouvez y mettre un moulinet spinning, ça sert juste de réserve de fil. Dessus on a, c'est le moulinet qu'on utilise pour la soie, mais on a mis du nylon en 18 centièmes. Après le nylon, on va avoir un petit indicateur de touche, c'est un fil juste jaune qui va nous permettre de servir. On va servir de ce fil pour voir notre ligne et savoir ce qui se passe quand il y a un arrêt du fil ou quoi. Ensuite on a, comme on a un petit ruisseau, on n'a pas un très long bas de ligne. On va avoir à peu près 50 cm de bas de ligne, au bout duquel voilà, on va avoir deux petites nymphes, voilà, une en haut sur une petite potence qui fait environ 5 cm,
Et 10 cm, 10 à 15 cm plus bas, on va avoir une deuxième petite nef qui est voilà, un peu plus grosse que celle du bas. Et on va passer ça en fait dans les courants, dans tous les amortis, vraiment comme vous avez pu voir. Et les truites vont directement se jeter dessus dans le courant quand ça va passer. Ça imite vraiment les petites éphémères ou les petits insectes qu'on peut avoir sous les cailloux. Et c'est ça que les truites mangent la plupart du temps. Bon voilà, fin de cette journée d'ouverture pour moi, deuxième journée pour Alexis. Et on t'a appris à pêcher à la mouche, enfin à la mouche, à pêcher en nymphe, on l'a initié. Vous avez pu voir dans les images, il a fait ses premières truites très 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 rapidement. C'est une technique qui marche super bien. Donc on s'est vraiment éclaté sur toute cette journée, que ce soit en Grande Rivière le matin où on a fait une trentaine de truites au total. Vous avez vraiment pas tout vu, on en a fait plein. Donc des jolis poissons, et après sur la partie petit ruisseau, donc nymphe au toc le matin et nymphe au fil l'après-midi. Voilà, là il doit être à peu près 16h, le soleil commence à décliner, les poissons, il y a beaucoup moins d'insectes. Là où ça marche vraiment bien en ce moment pour la nymphe, c'est sur les coups de midi, voilà, entre 11h disons et 14-15h, c'est là où il y a le plus d'insectes qui sont dehors, et c'est là où on va vraiment faire le plus de poissons. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo d'ouverture vous aura plu, que l'ouverture a été bonne pour vous aussi. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao.